Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo sur Microsoft Flight Simulator comme d'habitude avec le fameux CoinTeam H125. Et aujourd'hui on se retrouve pour je vais tout simplement vous parler un petit peu de ce qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc c'est-à-dire que c'est disponible pardon dès que la vidéo sort, donc dès maintenant vous allez sur le Discord, vous avez toutes les infos. Et comme vous l'avez vu au titre, et oui j'organise un concours en partenariat avec CoinTeam pour vous faire gagner cet hélicoptère, donc le H125 Pro MFS. Donc il y en aura sûrement d'autres qui arriveront plus tard des concours, mais j'en dis pas plus. Donc pour l'instant vous allez pouvoir gagner cette magnifique hélicoptère que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc nous on va décoller tout de suite et on va parler un petit peu en volant. Donc hop, j'essaie de pas trop m'écraser puisque voilà, hop. Donc d'ailleurs on est sur la magnifique scène de Courchevel. Bon, il y a de la neige, etc. Donc on va faire comme si on voyait rien, on va vite partir. Tac. Voilà, et on va trimer l'hélicoptère. Donc, pardon, excusez-moi pour la voix, encore une fois, comme dans la vidéo, je suis encore un petit peu malade. Et donc, oui, les gars, vous allez pouvoir gagner le CoinTeam H125. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour vous, car c'est tout simplement un hélicoptère qui est super. Franchement, niveau système, que ce soit système, modèle de vol, modèle extérieur, il est vraiment top. Moi, je fais que voler avec depuis quelques jours, je fais que m'amuser. Donc pour participer, c'est pas très compliqué, hein. Les règles sont très simples, c'est tout simplement de s'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également aller sur vous abonner au Twitter de CoinSim que je vous mettrai en description. Et la dernière étape est la plus importante, bien sûr avec celle de s'abonner à ma chaîne, hein. C'est logique. La plus importante, c'est de rejoindre le Discord que je vous mets en description. Arrivez sur Discord où vous acceptez les règles, etc. comme un Discord normal, et vous aurez un salon giveaway. Vous vous rendez dans le salon giveaway et là vous avez un petit bot qui vous a mis un message de tenter de gagner le H125, etc. etc. Et vous réagissez au message avec le petit emoji fait un peu. Donc vous réagissez dessus et vous participerez au concours. Donc le concours durera une semaine. Donc vous aurez une semaine pour participer et faire partager à vos potes, etc. etc. Et au bout de ces une semaine, le bot tirera au sort une personne au pif qui a réagi au message. Et cette personne, je la contacterai sur Discord en message privé. Et ensuite, CoinSim vous enverra un coupon pour avoir l'hélicoptère à 0 €. Donc voilà les règles du concours. Donc je vous souhaite bonne chance à tous pour gagner cet hélicoptère car vraiment il est super top. Je vous mets en description aussi, encore une fois, le site de CoinSim si jamais vous voulez l'acheter ou voir les autres produits qu'ils ont fait, donc d'autres hélicoptères. Mais avant que la vidéo se termine, je vais rapidement montrer comment on trimme l'hélicoptère parce que j'ai eu un commentaire qui demandait comment on le fait. Donc pour cela c'est pas très compliqué, on va mettre pause. Donc vous rendez dans vos options de commande. Hop, donc vous allez sur votre joystick. Vous voyez, moi par exemple j'ai ce joystick. Et comme vous voyez en haut, j'ai un chapeau chinois. Donc le chapeau chinois, quand je le mets vers le haut et vers le bas, ça descend. Donc, je vais vous montrer ça. Donc pour mettre la trim, c'est pas compliqué, vous allez dans tout. Ensuite vous allez dans gouverne de vol. Compensation des gouvernes, ici. Tac. Là, vous descendez, et là, c'est celle-là. Donc, c'est réduire le compensateur longitudinal, pardon, du rotor. Donc, ça veut dire que vous allez piquer l'avion pour que l'hélicoptère baisse le nez, donc vers le bas. Donc, ça va permettre de trimer vers le bas. Donc, vous mettez, moi, vous voyez, j'ai mis mon chapeau chinois, vous cliquez dessus et vous mettez vers le bas. Hop. Et ensuite, le deuxième qu'il faut que vous mettiez, c'est donc augmenter le compensateur longitudinal du rotor. Et cette fois, vous mettez vers le haut et ça va faire piquer l'hélicoptère vers le haut. Donc, monter le nez de l'hélicoptère vers le haut. Donc, une fois que c'est fait, bah, vous avez juste à appliquer juste ici. Vous retournez en jeu. Et là, regardez, vous voyez là, l'hélicoptère, si je lâche mon joystick, il part en arrière. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trimer vers le bas. Donc, on trim, on trim, on trim. Là, je suis en train de trimer et vous voyez, hop! Et là, hop, vous voyez là, si je lâche mon joystick, il monte moins. Mais on continue puisqu'il continue à monter encore un peu. Et là, vous essayez de trouver un juste milieu. Là, il pique un peu trop du nez, donc j'essaie de trouver un juste milieu entre les deux. Alors, on le tient, et voilà. Vous voyez là, j'ai le joystick vraiment au neutre, regardez. Vous voyez, là, il est au neutre, et l'hélicoptère bouge moins. Bien sûr, il faut toujours avoir une main dessus pour le garder, mais ça vous fatigue beaucoup moins le bras. Et donc là, vous allez tout simplement trimer votre hélicoptère. Et après, vous jaugez entre en haut, en bas, vous essayez de voir en fonction du vent, etc. etc. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo très courte. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour gagner pour le concours. Nous on se retrouve très bientôt dans les cieux au Sirivao. Allez, ciao tout le monde!